Bonjour, je vais présenter mon écran. Je vais présenter mes diapositives sur la mécatronique. OK. Qu'est-ce que la mécatronique? OK. Le carré d'ingénieur en mécatronique, ses branches, ou seulement la mécatronique, si vous préférez, bien sûr. C'est une partie de la branche de l'ingénierie qui est responsable de la conception, comme je te dis, en conjonction avec les techniques mécaniques et les électriques. Aussi, c'est le résultat des principales disciplines. Ici, vous direz quelle discipline? Non? Ce sont la mécanique et l'électronique. Bien sûr? Ici. Ici, vous pouvez regarder cette image. OK. La mécanique et l'électronique qui sont appliquées dans l'automatisation et le contrôle des usines, bien sûr, dans l'industrie automobile, les machines. OK, bien sûr, les machines, l'industrie automobile. OK, la robotique. Les machines à commande numérique, digitale, oui, et l'ingénierie biomédicale aussi. Je pense qu'il y a plus, mais etc. OK. Bien sûr, la. La carré de mécatronique est liée aussi au carré suivant, comme l'ingénierie en robotique, que j'ai déjà dit. L'ingénierie électronique, ainsi que l'informatique, les télécommunications, l'ingénierie du système, ici la programmation, l'ingénierie de contrôle. L'ingénierie de processus, bien sûr, aussi. L'électronique représente un nouveau niveau d'intégration pour la technologie et les processus de fabrication avancés. C'est un travail multidisciplinaire et nécessaire pour la création de ce système, ainsi que le renforcement de la compréhension des processus et de contrôle. Aussi, cela augmente la vitesse à laquelle les idées sont transformées en produits, bien sûr. Alors, ici, je te dis qu'avec la mécatronique, bien sûr, nous pouvons fabriquer plus vite des produits. Déjà que la robotique fait tout le travail pour le son. Yeah? Seulement, de temps en temps, il faut faire la révision des machines. Par exemple, une fois par semaine, plus ou moins, bien sûr. Alors, aussi, cette carrière représente la nouvelle génération de machines, OK? Des robots et des mécanismes experts. Aussi, pour effectuer des travaux dans une variété d'environnements, principalement dans l'automatisation, par exemple, des usines, comme j'ai déjà te dit, des bureaux et des maisons aussi. La maison moderne, par exemple, il y a des mécanismes
de programmation et la technologie, bien sûr. OK. En conclusion, nous voulons inventer ou fabriquer des machines toujours plus faciles à utiliser. OK. Afin de fournir principalement aux industries mécaniques des processeurs électroniques, bien sûr, confortables et faciles, que les humains doivent effectuer. OK, c'est tout pour la présentation, c'est un peu, mais il y a deux exercices. Ici, l'exercice 1. OK. Déjà, vous savez qu'est-ce que la mécatronique? Oui, bien sûr. Maintenant, vous pouvez regarder cette phrase. Ici, vous choisissez quelques carrés et suivant, ce sont les corrects. OK? S'il vous plaît, vous pouvez me dire. Vous pouvez répéter la question? OK. Ici, vous pouvez regarder cette phrase, pardon. OK? L'industrie automobile, l'ingénierie de contrôle, l'ingénierie aérospatiale, le processeur, l'ingénierie du système, etc., etc. OK? Vous choisissez quel carré suivant. Ce sont les corrects pour. En relation avec la mécatronique, L'électronique, l'informatique. hein? Aussi, bien sûr. C'est tout? La robotique, l'ingénierie aérospatiale. L'ingénierie physique aussi. OK. Quoi d'autre? Peut-être que l'ingénierie du contrôle. Comment? L'ingénierie L'ingénierie. aérospatiale. Ah oui, bien sûr, l'aérospatiale, de contrôle aussi, oui, bien sûr. OK, ce sont tous. La robotique, non? Oui, bien sûr. Oui, OK. Merci beaucoup. C'est un peu facile, oui. OK. Avec la mécatronique, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? OK? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ici, vous choisissez l'option correcte et vous me direz quelles sont les activités que nous pouvons faire. OK? D'accord? C'est la même chose, mais c'est un peu différent. OK. D'accord, fabriquer des circuits électroniques. OK, bien sûr, merci. C'est tout? C'est Faire des tout. machines. Faire des machines, OK. Quoi d'autre? Créer des robots. OK, bien sûr. Et faire des programmes. Faire des programmes, OK. Et j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire, oiseau? Voix des oiseaux, aves, bueno, pájaros.
D'accord, merci. OK. The beers. OK. Voir l'espace. Oui ou non? Générer des problèmes, la santé. Non. OK, c'est tout. OK, c'est tout pour la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. C'est tout, professeur. Bonjour, je m'appelle Aile et je vais présenter le marketing des médias sociaux. Premier, qu'est-ce que c'est que le marketing des médias sociaux? Et c'est la méthode technique et technologique pour atteindre des objectifs, mais spécifiques pour une entreprise. Une entreprise utilise différents médias. Par exemple, vidéos, blogs ou réseaux sociaux pour augmenter les achats et les clients. Et avantages des médias sociaux. Et les avantages les plus importants, c'est 6. C'est différent, mais les plus importants, c'est 6. Et le premier, contact direct avec les clients. Et les clients parlent par message ou par téléphoner avec l'entreprise et par des bons ou des bonnes choses, du produit ou du service. Et groupe d'intérêt, c'est groupe ou blogs et les clients peuvent évaluer avec autres clients de produits ou au service. Et évidemment, c'est évidemment et les clients et pour essayer les produits. Et campagne interactive, ce sont des cadeaux et des applications de jeux et des sondages. Et les cadeaux, c'est, pour exemple, c'est différentes formes de cadeaux, mais les plus connus, c'est, pour exemple, un entreprise, un Facebook, public, tu peux gagner en télévision, et les clients peuvent participer comme tu commandes ou partages la publication. Et les sondages, c'est les clients peuvent évaluer ou écrire des bonnes ou mauvaises choses du produit. Et présentation, et réputation, image et autorité, ce sont campagnes publicitaires. Et pour créer une bonne réputation dans l'entreprise. Et finalement, marketing viral, c'est actuellement et le plus connu. Et les contenus affichent pour les influenceurs. Et finalement, sélectionner les bons réseaux sociaux et les réseaux sociaux les plus connus. Et actuellement, Facebook est les réseaux sociaux les plus connus tout le monde. Et deuxième, c'est Instagram. Et troisième, c'est LinkedIn. Et c'est une application. Et les clients peuvent évaluer un produit avec autres clients ou avec l'entreprise. Et quatrième, c'est Twitter et finalement YouTube. Et c'est tout. Merci pour votre attention.
Listo, creo que ya. ¿Se ve mi cámara? Sí, creo que sí, ¿no? D'accord. Bonjour à tous. Pardon, bonsoir à tous. Je vais présenter sur la mécanique. Je m'appelle Jorge et allons-y. D'accord. La mécanique, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, qui concerne du mouvement, etc. Mais je vais parler principalement sur la mécanique industrielle, comme une carrière professionnelle, parce que c'est ma carrière. C'est magnifique, c'est très intéressant, etc. Et il y a beaucoup de types de mécaniques, par exemple la mécanique automotrice, que il y a beaucoup de mathématiques pour travailler et aussi et c'est ça, je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a un peu de un peu de intérêt. Oui, c'est ça. Et suivant, la mécanique quantique, il y a opération théorie, etc. Et nous avons Albert Einstein, que se le connaît comme le père de la mécanique quantique, parce que il est très intelligent et suivant, nous avons la mécanique rationnelle que considérée sous son aspect mathématique. Il y a beaucoup de mathématiques, opérations, etc. Et je pense que c'est très amusant parce que je n'aime pas les mathématiques et je déteste. La mécanique relativiste, ce sont des autres noms de la mécanique, comme je vous dis. Et la différence entre la mécanique classique et la mécanique relativiste, c'est la suivante. En la mécanique classique, les temps et les mesures sont considérés comme valeurs absolues. Et en la mécanique relativiste, c'est très facile. Et tout s'est considéré comme relativiste. C'est ça, c'est la différence. Je pense que c'est très facile. Et ici, nous avons le seconde loi de Newton en mécanique classique et en mécanique relativiste. C'est très différent. C'est ça. Et principalement, je vais parler sur la mécanique industrielle parce que j'étudie la mécanique et c'est une carrière professionnelle. Et la mécanique industrielle je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de voitures je pense que oui, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de voitures dans le monde. Et
c'est un bon travail. Je pense, j'aime beaucoup. Et nous avons une question. Et pourquoi est-il important d'apprendre les bases de la mécanique? C'est facile. Je pense que c'est nécessaire parce que c'est un bon travail, comme je vous ai dit. Et c'est un peu difficile, mais il y a beaucoup de travail. Parce que, comme je vous ai dit aussi, il y a beaucoup de voitures dans le monde, et des voitures, des machines, etc. Alors, je voudrais savoir si vous avez des questions, jusqu'ici. Non, d'accord. L'exercice, c'est très facile. La question, c'est qui est. Je pense que nous connaissons ces personnes. C'est très, très populaire. Albert Einstein. Oui, c'est ça. C'est Albert Einstein. Ça sera tout pour aujourd'hui, pour mes présentations, mes diapositives. Et merci de votre attention.